Salut les pangolins. Aujourd'hui, on est au bus terminal 2. Hier c'était insane. James Hype, là c'était fou. Il était 4h du matin, dormi 1h30, temps de commander un taxi, faire 1 heure de chemin, venir au terminal ici. Là, il est là, là on est 7h, 6h56, on s'en va à Koh Samui, il y a je pense que c'est 5h30 de bus, puis un 2h de ferry. J'ai payé 1350 bahts pour moi, puis pangolin. 1350, c'est genre 56 piastres. Pour genre, il y a 7h30 de route là, avec bateau inclus. C'est que dalle. Il n'y a pas d'avion là. Il aurait fallu retourner à Bangkok, là, Phuket, Bangkok. Fait qu'on traverse toute l'île jusqu'à Surat Thani. Et après, à Surat Thani, on prend ferry, là, dans le fond, un ferry de 2 heures là, jusqu'à l'île de Koh Samui. On va rester une semaine à Koh Samui, puis ouais, il va y avoir aussi le Koh Phangan. On va aller sur l'île de Koh Phangan au Full Moon Party le 25 janvier pour le plus gros party en Thaïlande là, à tous les mois. Là, à chaque fois qu'il y a un Full Moon, c'est sur la beach là, je vais vous montrer ça. On a déjà notre ferry de réservé pour le Koh Phangan. J'ai tout réservé ça un mois d'avance. Au cas où il n'y a pas de place, parce que supposément qu'il y a 20 000 personnes qui vont se rendre là-bas. Hier, James Hype, c'était insane. J'ai essayé de faire une vidéo. Ben, je vais les poster en stories. Ben, quand vous allez voir, là, c'est une vidéo qui va être plus tard. Là, mais c'est sûr que j'aurai posté toutes les vidéos en stories. Ça faisait 2 ans que je voulais aller voir James Hype. À chaque fois, ça festival, les personnes qui venaient, whatever, là, ça donnait quoi. Puis finalement, ben, on l'a vu au meilleur club de Thaïlande. Yo, l'illusion, là, c'est le meilleur club en Thaïlande. C'est le 13e meilleur club au monde. C'était insane. Là, le laser, là, il y a les écrans, le DJ Booth qui est en écran. Là, en arrière, c'est en écran. Les fumées, les lasers, tout ça, c'est insane. Jamais, comme j'ai encore les oreilles qui s'y, gros, je me suis couché hier, là, c'était insane. Genre, même un matin, là, ça me scie les oreilles, j'entends à moitié, là. J'espère que ça va partir, là, ce soir-là. So, yeah, c'est le genre de petit boss, là, comme ça, là. On est au Terminal 2, à Phuket, là. Au bord de la ville, là, tu sais, on est à Karen. Là, on va être à... On fait genre 1 heure de chemin à travers... check-in. On attend le bus. Tu peux être good là, un petit bus climatisé, là, dose. On va dormir un peu, là. On va dormir 1h30. Alors la madame elle parle anglais. T'es rendu check-in. Là. Même si tu réserves en ligne, là, faut que tu ailles montrer ta réservation. Là, elle donne un petit collant ouais, comme ça. Pour le ferry. Puis elle donne un papier aussi là, pour le boss là. C'est ça. Regarde là, le genre. Fait que on va embarquer sur le ferry. Sur le McFlurry. On est là. Le dernier step là pour Koh Samui. 500 personnes, c'est marqué 490 personnes. On s'est crissé à côté de la sortie là. Mais ouais, tu vois déjà les montagnes en arrière.
région de Surat Thani. Il y a des chars qui rentrent en bas. C'est quoi que tu disais? C'est genre 10 fois plus gros que le ferry que j'ai pris pour aller à... C'est ça là, ça devrait prendre une heure et demie pour se rendre à... À Koh Samui ou... C'est ça. Update back quand on arrive. Ben, je suis moi filmé là dans le road. Ce petit bourgeois, comment tu trouves ça le McFlurry? Trippin'. De ça? Ça a l'air heureux, tu veux-tu aller jouer dans les jeux? Ça c'est au nord de Koh Samui. Oh, attention, on a nos cordes. Petit jeu pour enfants. Comme montagneux là, Koh Samui là. Il y a moins de beach, tu sais, à Phuket, t'avais comme plus de... Là, la beach était beaucoup plus large, fait que les commerces étaient l'autre bord de la route. Ça ressemble plus à... comme au Mexique, puis en République. Tu sais, tout est collé là, tous les commerces sont collés sur le bord de la beach. Ça fait vraiment penser genre à République. Hé, ton compte rendu. C'est beau, non? La vue comme ça, non, là, check, on va dîner. Yo bro, 2$ là, 50 bahts. Même pas 2$ là, 1,95$ genre, manger un pas de terre, bro. Ici là, sur le bord de la beach comme ça, bro. Avec un petit chien ici qui chill. Check ça. Non, c'est la cove. Pour se baigner, c'est pas le best. Je sais pas s'il y a eu, mais c'est parce que on a trop été gâtés avec Karen. Même tout ce qui est, yo, juste au beach là, je me souviens à Life là, c'est qu'on a vu sur le top là, puis on a fait un petit, tu sais comme, Phuket là c'est imbattable. Si Phuket je donne un 10, ici je donne un 6. Parce qu'il y a des algues, le sable il est pas aussi fin, l'air, l'eau est pas aussi claire. Mais il fait moins chaud, on dirait. Tu sais, comme à Cameron, il faisait fucking chaud, man. Ouais. On est plus dans le nord, là. Ouais. Ça change tout le temps, ça. Là-bas, tu vois les montagnes, là. Ça, c'est Koh Phangan. C'est là qu'on va aller, là, dans 4 jours. Pour le Full Moon Party. Mais on fait le tour de l'île, là. On se promène. On s'amuse. Pas se plaindre, là, on va dire. Check un full spot qu'on a trouvé. Check la mongole.
J'ai fait un petit vidéo drone view là. C'est pas mal plus bon en drone. Impressionnant, comme on dit. Mais c'est quand même fraîche. Genre de place comme ça, j'ai juste vu ça genre aux Maldives. Non, ben, j'ai jamais été en Maldives, là, mais j'ai juste vu ça dans des photos aux Maldives. Comme. Check ça. Check ça. Comme tu marches et l'île là, disparaît. Sens inverse, gros. Qu'est-ce qu'on se malade mental, gros? You know me. I do all the research. Du resto? Ouais, c'est assez. Peut-être. J'aime pas sa face. Elle a une face genre. Yeah. Abadi Mai! Abadi Mai! Ouh! Check, c'est pour toi, Adji. Thank you.
ces choses. Mon petit pas de taille. Mon petit pas de taille. 50 bahts. 50 bahts. Check, il y en a plein. Pour rien. T'es où le matin, lui? T'es où? Il était fermé. Somebody man. Non, bro. Non. Ouais. Par des Russes. Hein? Non. J'avais mal pendant deux jours après. Ah ouais. Ok, c'était fort. Ah, mais ici. Ici, si tu manges genre un thai massage, ça va être fort. Et si, si tu manges genre un massage la nuit, ça va être lourd. Les griaudes. Oh, elle casse pas toutes là. T'as peut-être raison, c'est peut-être l'autre bord. Peut-être. You see Muay Thai, you see Thailand. On devrait manger dans des petites places, des ruelles de même. Ah, c'est-tu, man? Ben, j'ai pas vu de resto, mais il me semble que... Je sais pas. Là, c'est les bails de Lady Boy. Ah, je sais ce que ça avait... Je les ai pas vus. Ah, c'est là? Ouais. Oui, monsieur. On mange? Ouais. Lui, il est grand, check ça, G. Ce chiant, G, il fait 7 pieds. Non, il fait 7 pieds. Moi, même. Le patinet, il rit de moi avec ma crème glacée, mais lui, il se casse pas. Hein, t'es-tu bon ton repas? Gros. J'aurais pu bouffer. 6 fois ce repas-là, Jean. Où est-ce qu'on était tantôt, bro? En face de la plage, là, pis tout, là, dans leur vieux centre-ville. Check les. Check ces petits. Ces petites Lady Boy. Oh, check ça. Putain, on aurait dû manger des petits pains comme ça. Ça aurait coûté 30 bahts. C'est pas grave. On apprend de nos erreurs. C'est la vie. Écoute, il n'y en a pas des faciles. Hey, je veux le t-shirt là-bas, go. Je veux ce t-shirt là. Tu veux un t-shirt, mais tu ressors avec des souliers. Check, je veux ça, le Christian Dior là, marqué ici. Tu veux un t-shirt, mais tu ressors avec des souliers. Yo, viens dans le market. Je vais aller checker. On va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ça a l'air fucking bon son truc, G. Des fausseries.
Ah, ici, c'est laid, gros. Qu'est-ce qu'il y avait des beaux chandails là-bas? Il n'y a rien de beau ici. Mais il n'y a pas de Gucci, G. C'est tout. C'est tout. Tabarouais. Hey. Ça tourne. C'est le coin. Oh non. Somebody mine. Somebody mine. Qu'elle a plus laide que l'autre, Dieu. C'est horrible. Horrible. Qu'est-ce que c'est, un peu? Et l'autre fils. Horrible, Dieu. On va aller à Bangkok. Hein? Sans rien d'acheter quoi que ce soit ici, gros. De un, c'est laid. De deux, faut que je le traîne jusqu'à... à Bangkok. Et on marche un peu. Plein de clubs, tu sais que ça. La street des clubs. C'est bon? Sandbox. Ok, c'est un lounge club, genre. Yeah. Oh, check la peinture. Tu sais, il y a du sable. Sécurité. Toi, tu vas sleep à 10 heures. Moi, je rentre seul. Je vais rentrer là. Yeah, je vais faire un movie genre demain matin, gros. Ça va être comme cette rue-là. Ouais. Le son, le matin. Yo, bro, ça a tellement pas l'air de ça. Là. Tout est fermé. Là. On s'ouvre un club ici. Tu trouves de quoi là? Ça va pas y aller, non? Check ça, bro! Oh,
sûr. Il reste trouver une place de laundry qui font sécher à l'heure. Une place de quoi? De lavage de linge. Moi, je suis plus une personne de nuit là. J'aime mieux comme ça dans le jour, on fait des activités. Early bird. Early bird. C'est ça, on aurait dû gaspiller 400 ou 200 sur un gym à la place de boire là. Laundry sur le côté. Il y a un laundry ici. Ah, c'est trop influençable là, tout. Il y a que ça à faire ici, j'ai la nuit là. En plus, t'entends le beat là, de la chambre, là, t'imagines, c'est comme... Tu peux pas être éveillé à cette heure-là, sans genre être attiré. Oh, ouais. C'est un aimant. De quoi? Check, là où est-ce qu'on a rent, il y a du laundry ici. Est-ce qu'on a rent mon bike? Oh. Genre tu te fasses tatouer à Bangkok, ouais. Yo, j'ai plein de choses à faire à Bangkok, faut que j'achète des doses. Des casquettes coachées. Ouais, faut que je rachète de quoi pour mes parents. Faut que je me rachète aussi des petits bails. Tu sais, je me retiens là, d'acheter des t-shirts, une coupe d'affaires. Des choses. Ben, j'ai pas le goût de traîner. Yo, j'ai pas le goût de payer 40$ dans l'avion là, pour revenir à Bangkok. J'aime mieux acheter tout ça à Bangkok. Là. Makes sense. De toute façon, on n'ira pas à Beach à Bangkok, on aura juste ça à faire, aller magasiner et se promener là, fait que... T'es ici à droite, hein? Non, non, il me dirait... 1,2 km, tout droit, tout droit. On arrive dans 1,8 km, là, tu sais. Ah, c'était ici qu'on parlait de louer. Ouais, ouais, ouais. Ici, c'est bon, là. Tu sais, dès que tu sors de la rue, tu fucked up, là. Fait que sont des petits restos pas chers. Ouais. 100 mètres à gauche. Ah, ouais, c'est ça. Là, on va être sur la main. Yeah. Puis le viewpoint, il va être à gauche, là, c'est sûr. Yes, sir. Ah, il y a des beaux rochers en bas, man. On peut descendre. Ah ouais, ça descend jusqu'en bas. Yeah. Comment ça s'appelle cette petite place-là? C'est Ladco. Ladco Viewpoint. Ladco quelque chose. Attends, je vais te dire là. Ladco, je l'ai. C'est Ladco Viewpoint. On va descendre jusqu'en bas. Oh, là, on fait le tour de la côte est de Koh Samui. Hier, on a fait le tour de l'île, dans le fond. On a commencé par le nord. L'ouest,
On a pogné la pluie dans le sud-ouest. Puis on a flash là, par le sud. Là. Puis après ça, en revenant par l'est, on a remonté. On a vu tous ces spots-là ici, là, mais il était rendu trop tard. Là, on avait faim, là, on voulait aller se baigner. On s'est dit, ah, aujourd'hui, on va revenir. De toute façon, encore 3 jours là, avant le... Avant d'aller au full moon, là, à Koh Phangan, là, fait qu'on a le temps de venir chiller un peu ici, là. Okay, c'est ça, là, en décembre. C'est fraîche en bas. Faut descendre là, sur les rochers, là. You see Muay Thai, you see Thailand. Ouais. Avec le bandit. La mafia, Falang mafia. They didn't lose my bags, I'm happy. Tous des petits vieux, dis. La jeunesse dort, dis. La jeunesse sont encore couchés. On fait partie, là, des petits vieux, je pense. Ouais, nous, on est comme entre les deux, dis. 37, 35. Et moi, là, des petits vieux. Yo, cette année, tu vas avoir 38. Moi, je vais avoir 36, dis. Ah, yo, je viens d'avoir 37, calme-toi, là. Non, là, cette année, c'est 2024. C'est décembre. Yo, check à la vue en bas. Ça va être beau là. Film ici, ça va être pas mal plus beau. J'ai rendu un vieux sec, G. 37 là cette année. T'as ta 37e année. Dans ma tête, j'ai encore 19. C'est une... Ah, yeah, c'est ça l'important, c'est même marqué dans la Bible. Faut rester jeune, faut rester comme des enfants dans la tête. Pas se comporter comme des enfants, mais faut rester comme. Heureux comme des enfants, dis. Quatre, c'est beau! Everywhere we go, we are number one. Killing these shows one by one. Ça. C'est pour les plombs. Il n'y a pas de trou, même. Ben oui. Ah non, il n'y a pas de trou. C'est ah, je pensais que c'était. Ça ressemble à ça, mes bouteilles, j'ai dans le temps. Regarde, c'est beau. On dirait que je vais lancer le drone, là, un petit 30 secondes ici. Tu sais, on va rester comme ça, là, je vais faire. Cameraman never die. Fait que vis tes GPS puis le cameraman, t'arriveras rien. Oh, j'ai 2 enfants dans les mecs. Et c'est quoi ton review de la beach ici? Combien tu lui donnes sur 10? 7? Combien t'as dit? 7. 7? Ouais. C'est quoi que t'as pas aimé sa beach? Pourquoi 7?
Les roches dans l'eau. Les cailloux. Les cailloux. Faire de la route pour des cailloux. Quelqu'un qui aime la roche, c'est bon. C'est quoi le point positif? Hey, c'est beau ça. C'est un beau petit resto ici, resort. Là. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tous ces jeunes PD en quête d'aventure. Hey, c'est fucking beau ici. J'aime ça les petits arbres. C'est beau. Beau petit resort. Ça va démarrer. Ça passe? That's it. Yalla. Yalla. Oh my god. Il vient d'enlever tes... That's it. Yo, c'est encore en train de te filmer, mais ça te suit ben trop bien. Hein? Ça te suit. Attends. Ça t'a bien.
Et on s'en va dans des waterfalls. Waterfalls. Pour s'ennuyer. On va des petits pieds. Gauche. Dans 800 mètres, on arrive. Ça, c'est la 2. C'est la 2? On va aller voir la première. Là. C'est quoi du codge? Mais bah, c'est pas qui. One way, one way. C'est quoi le bruit? C'est encore une cigale, genre, comme l'autre fois? Ouais, check ça. Oh. Village. Il chute. Tu peux te manger un petit pâte de taille. Ouais, ben, tu aurais vraiment trouvé du gaz. Du gaz? Non. T'arrives à tomber à une barre. Non, non. T'avais trois barres, là, voilà pas long. C'est qui s'appelle. Non moins. What a fall. Ça, c'est la numéro 1. Il y a des belles affaires, man. Oublie ça, ramener ça. Ah oh, ouais. Des petites toiles. Ça, ça se ramène bien. En plus, ils sont genre fluorescents, je pense. Ils vendent des shit partout, man. Même aux chutes, là. Dans les backroads de la naturelle, Dieu. Ça va demain. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment fraîche. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que ça aurait dû venir ici de bien avant? Ouais. Tu sais qu'il y a comme des petits lagons. Deux kids. And we're back. De taxi. Taxi moto. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'on a marché pour rien. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir pour des nazis, des néo-nazis. Néo-nazis. Yo bro, on se fait avoir par les Israéliens, on se fait avoir pour les nazis. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? On se fait avoir par les Français. Yeah. C'est le bordel, Dieu. Cap. Et où? Bon. La porte payante. Ouais, admission, 50 bahts. How much? 50 bahts. 50 bahts. 50 bahts. Quoi? Deux good. Oui. Oh là là. Tu sais que ça, c'est ça. Ah non, bro. Yo, on se fait baiser de partout, G. Encore, G. Encore de l'argent, G. Encore de l'oseille. Yo, on se fait taxer, G. C'est comme la taxation. Phuket, là, tout est free. Ah, ben non, on a payé
Yo, les waterfalls, là, quand t'allais voir, là, non, ça, c'était 200 chaque, genre, on a dit, même non, plus. C'était 400 chaque. 400 chaque? Ouais. Yeah! Ouais, ça, c'était... 400 chaque, ouais. Dieu. Yo, le dingossé à 600, même à ça, c'était... On se faisait enculer. Hey! Oh! Petit Renoir. Petit Renoisier. Oh, un autre. Un autre Timoun. Yo, je sais pas ça fait combien de mètres qu'on marche, G, c'est insane. Il y a des manèges, dis. Sauf qu'ils sont offline. Les manèges sont offline, dis. T'as vu? Il y a des glissades. Ah, je m'en fous un peu des glissades. Hein. Juste à prendre la photo quand on marche. Oh my god. Ben, voilà ton exercice, dis. Maître Noisetti, qu'est-ce que tu penses de ça? Quête! Yo, je t'en sueur, ma marraine, bro. C'est un putain de hike dans la jungle. Tout ça pour aller. Ah, c'était vraiment cette chute-là, bro. Celle qu'on voyait de loin, là. Ah, yo! Oh! Ça me cassait la gueule. Guette, on va le mériter, notre saumon. C'est tout! That's it, that's all! Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qu'il aurait pu couper les arbres, là? Shit! Qu'est-ce que ça va loin, là? Faites-tu tout? Qu'est-ce que c'est un putain de centre d'achat, là? Hello! Qu'est-ce que c'est, bro? Ah non, je pensais que ça allait loin. Mais ça va-tu loin? Ok. Plein de bails qui servent à rien. Toute la marche. Authentic Thai food. TripAdvisor. Qu'est-ce que ça va loin? Il y a un KFC. C'est dans les trucs à voir aussi. C'est sans cacher. Dans notre liste? Ouais. Bon, on va aller, on a encore deux jours là, rien à pouvoir rater. Là. On va y aller. Yo, Adidas Store. C'est bien insane. C'est bien gros, man, comme centre d'achat. Ce sera pas un chat. Quand tu peux acheter du fake G outside pour le dixième du prix. Tu as des maillots. Il n'y a personne des magasins. Tout le monde est. Oh, tu veux des bouquins? Oh, des Crayola. Où ça va jusqu'à où, G? Je comprends pas. Il y a un parking. Check ça, bro. Il y a Yves Rocher, G. Il
Ça mouille. Regarde, viens t'asseoir. Viens t'asseoir dans le carrosse. Viens t'asseoir dans le carrosse. Yeah. Comment on sent? Comme un boss? C'est une photo? Passe ton sel, je vais te prendre une photo. Tu vas poster ça là, ta mère va rire. Le boss du centre d'achat. Le boss du centre d'achat. C'est quand t'achètes le centre d'achat? Tiens. Check les autres ici. T'as vu, t'as donné des idées. Tu donnes des idées aux gens. Des idées malsaines. Yo, bro, c'est qui ça, centre d'achat? Yo, il va jusqu'à où, man? Yeah, le paradis des Steve G. Non, tu marques hashtag Père Noël. Oh, je te verrai là-dedans, G. C'est 10 bahts, c'est 10 bahts. 60 bahts. Non, là-dessus. 60 bahts, G. One person. Yeah, j'ai vu. Sorry. He's a bad boy. Go away. Je t'ai dit, c'est 60 bahts, G. You buy and you go. C'est pour les enfants, bro. C'est normal. Je t'ai dit, embarque pas là-dessus. C'est ça, best buy. Power buy. Adieu, t'es carré tout le temps. C'est clair, Dieu. Il doit être cassé tout le temps, là. Qu'est-ce que c'est? C'est bien insane. Oh, des Ferrari. C'est une Porsche. Tu vois, oh, ça en est rendu, Dieu. Ça, on est rendu. Oh, il y en a un autre. Rendu sans savoir. Yo, bro. Another one. Ah, il n'y a pas de bain, mais tu fasses le baldaquin. Tu te couches à terre. Market. Je te dis, Android, ça m'aime pas. Tu comprends? À chaque fois que je touche à Android, il refuse de coopérer. Ça refuse. Ben, moi aussi, bro. Viens, on va trouver ça. Je sais qu'il y a une coupe d'affaires là, là-bas. Je sais qu'il y a des shakes. Instagram direct là. Peut-être j'ai cliqué sur quoi là sans faire exprès. Quoi? La pause, fin. Je sais pas, peut-être que j'ai pesé de quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, sans faire exprès, je fais de scène all genre. C'est mal, hein. Ça a l'air pas pire. Ouais.
Yeah! Quelles sont les crèmes glacées, G? J'ai vu un bail de crèmes glacées, mais c'était pas le bail, là. Comme on aime. Yo, check, 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 viens, viens. Y'a d'autres bails. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et elle est là. Hein? Sans battre. Sans battre. Pas le choix, hein? En plus, c'est même pas des... Check, il y a des sorbets, je pense, sinon, ici. Ah non, c'est des full check. Non, je pensais que c'était des sorbets, là, check. Oreo, t'es down? Ça sert à quoi? Je sais pas, ça doit être un shake, genre. T'es chaud? Banane à chocolat? Vas-y, deux fois. 60 badges. Banane, chocolat, banane. Two times. La petite arpoire. $2. Des vraies bananes. Ça se passe? Combien tu donnes sur 10 à ton milkshake à $2? 8. 8 sur 10? Ouais. Bon, hein? 8.5. Ça goûte genre le S-Cap. S-Cap aux bananes. Ouais, c'est plus sucré qu'un S-Cap. Ça fait longtemps que t'as pas bu un S-Cap.